Namasté, on se retrouve aujourd'hui à Belleville, donc qui est au sud de Montréal, à l'est de Toronto, au sud d'Ottawa. Et je suis avec mes parents, on a été faire un petit tour dans le magasin Canadian Tires, qui correspond tout simplement au Leroy Merlin de chez nous. Et on a été visiter cela pour voir un peu ce qu'ils vendaient dans les magasins de bricolage au Canada. Et ils vendent et ils ont une manière de vendre complètement différente de la nôtre. Là, on va aller direction Toronto, la grosse ville de Toronto, avec la voiture de location, qui roule toujours aussi bien. Alors conseil, prenez les voitures, puissent faire la route, parce qu'il y a quand même pas mal de routes à faire. Et là, la petite Nissan, elle roule très très bien et j'en suis très heureux. Donc là, c'est parti pour 2 heures de route. On va arriver à Toronto, on va essayer de faire des activités qui sont en dehors de Toronto et après arriver directement à Toronto. On se retrouve après 2 heures de route, ça a été long, et on est à Scarabouf Park, là où il y a une plage et à ce qui paraît il y a des falaises qu'on a vu un peu en arrivant juste ici. C'est pas mal, on va voir ce que ça donne. Je vous tiens au courant, je vous fais des plans comme d'habitude. N'oubliez pas naturellement de me laisser un petit commentaire, ça me fait toujours plaisir de savoir ce que vous pensez des vlogs. You better listen up, there's not a thing that I can give from you. Alors on se retrouve toujours à Toronto, on est entre Dundas Street et Yonge Street qui correspond à peu près à Times Square à New York. Toronto, c'est une ville qui lui ressemble beaucoup, ou alors est-ce que c'est New York qui ressemble à Toronto? En tout cas, c'était une ville avec des buildings très hauts et un mélange de vieux et du neuf qui est fort sympathique et ce que j'apprécie tout autant. Donc là, je me trouve dans leur sort de Times Square où il y a un attroupement de petits chinois juste derrière. Alors Toronto, tu me réserves pas mal de surprises, ça a l'air d'être pas mal. Par contre, tes parkings à 60$ pour une journée, ça fait un peu trop cher pour moi. Donc j'essaie de trouver les parkings publics qui sont beaucoup, beaucoup, beaucoup moins chers. Mais les parkings ici sont horriblement chers. Nous sommes dans un hôtel superbe et qui est aussi doté d'une histoire parce que c'est un hôtel qui est utilisé pour des films. Oui, 3 films notamment, dont Red, je sais pas si vous connaissez, c'est le film avec les vieux du cinéma, dont notamment Bruce Willis. C'est ça que j'aurais dû lui dire. Qui a joué dans ce film, et puis encore le film Jump. Donc c'est un énorme coffre-fort datant de nombreuses années, et c'est incroyable de voir, je vous montre en vidéo ce que ça donne. Donc là, moi je me trouve à Toronto. Qu'est-ce qu'on fait aujourd'hui? Aujourd'hui, on se repose, on est tranquillou. On a été dans un parc juste avant, on a fait encore un peu de route. Là, on se trouve au cœur même de Toronto, on visite, on prend nos marques. Parce que demain, ça va être encore une longue journée. Donc là, c'est pas fini, bien évidemment. On reste ici, on va faire un peu de shopping, on va faire un peu visiter. Et je vais vous donner et vous faire vivre un peu l'esprit ici, où c'est assez bruyant. Il y a beaucoup de monde, beaucoup de touristes. Il y a des écrans partout, il y a la foule, des bruits, des klaxons. C'est une ambiance, je vais essayer de vous la faire transcrire dans cette vidéo. J'espère que vous aimez toujours me regarder durant mes vlogs. N'oubliez toujours pas de vous abonner à ma chaîne YouTube pour me suivre durant mes prochaines aventures. Et je peux vous dire qu'il y en aura beaucoup, beaucoup d'autres. Bien évidemment, tout ce bordel, c'est à cause d'un YouTuber. Alors si vous la connaissez ou le connaissez, dites-le moi en bas dans les commentaires parce que j'en ai aucune idée de qui c'est. Mais vraiment, vraiment aucune idée. Je me trouve dans le plus grand
stand commercial de Tonroton, c'est immense. Ça a 3-4 étages, il y a des centaines et des centaines de boutiques. Vous pouvez voir derrière moi, il y en a partout. Je suis dans une des petites parties. Alors il y en a en haut, comme vous pouvez le voir, et il y en a aussi en bas, juste derrière moi. Il y en a vraiment pour tout, pour tous les goûts, de toutes sortes. Et tout ça ici est recouvert. Alors c'est pratique quand il fait froid ici à Toronto, ou quand il fait très très chaud, tout est climatisé, tout est gigantesque. C'est impressionnant, il y a beaucoup de choses à faire, beaucoup de choses à voir. Moi qui est dans les magasins, vous imaginez bien que ça me fait pas du tout plaisir. Les magasins, c'est pas forcément mon truc. Mais alors là, c'est vraiment quand même impressionnant à voir et à faire le détour. Donc c'est en plein milieu de Toronto, c'est dans le centre même, à côté de la place où j'étais tout à l'heure. Et je peux vous dire que il y en a des boutiques. Non mais c'est quoi ce truc? Alors on vient de sortir du restaurant qui se trouve juste là-bas, qui s'appelait Charisma, un très bon restaurant italien où on a mangé des pâtes. C'était très bon, mais très cher, très très cher. Bon, hein, on a pour le prix qu'on veut, et on a investi, mais c'était très très bon. On avait un serveur qui était un peu pompier sur les bords, parce que dès que j'avais fini un petit peu mon verre d'eau, il me le remplissait à ras-bord. Donc j'ai bu 6 litres d'eau ce soir. Voilà. Je finis ce vlog aujourd'hui parce qu'il fait tard, on va aller se coucher. Dodo. Parce que demain ça va être une grosse journée et un très beau vlog pour vous. Donc sur ce, je vous laisse, je vous souhaite une très très bonne soirée ou une très bonne journée car je ne sais pas à quelle heure vous regardez cette vidéo. Aimez la vie, aimez-vous les uns les autres, je vous aime, des kisses.